Good morgen, allez, Idan et Tissot aujourd'hui, le Nishmat, Chaya Esther Bat Miriam, ainsi que les Refouat Olivier, Israël, Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Rosalena, et Biamin Ben Chaviva, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah pour les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Rafalef, Mishnah Bet, Ha'even Shalpi Echavit, Mata Al-Tzida Ve'i Nofelet. Haïta Ben Chaviot, Magbia, ou Mata Al-Tzida Ve'i Nofelet. Maot cha la car, noer et akar, ven no flot. Aïta la vlash lejet, mekancha besmartout. Aïta shel or. Not nim ale amaim ad shetirle. On continue dans notre Mishnah avec le sujet de Mouktse, plus précisément de bassis du Mouktse, c'est-à-dire de support du Mouktse. A savoir, je traduis, on a deux cas de figure, c'est le même principe. Il y a même des conditions requises dans l'un qui sont les mêmes que dans l'autre, même si le Barthénoir il a dit sur le deuxième cas. On commence à expliquer. Haeven shel pe'er chavit, une pierre qui est posée sur un tonneau. Donc j'ai besoin du vin, mais il y a une pierre qui me dérange pour ouvrir. La pierre, c'est Moukse Mahmat Goufo. Je ne peux pas la déplacer. À la différence, on a déjà évoqué qu'il y a plusieurs sortes de Moukse. Il y a Moukse Mahmat Issour. Et Klishem Lartole Issour, par exemple. Un ustensile qui est prévu à un travail interdit à Shabbat. À savoir un marteau, un tournevis. D'accord ? Il faut savoir que ces ustensiles-là, c'est vrai que c'est Moukse. Mais s'il me dérange, j'ai le droit de le déplacer. À la différence d'une pierre, que si elle me dérange, j'ai pas le droit de la déplacer, parce qu'elle est Moukse Mahmat Goufo. C'est un Moukse beaucoup plus rude, beaucoup plus violent. Et donc du coup, maintenant, on se retrouve avec une pierre qui est posée sur un tonneau. Or, j'ai besoin d'ouvrir le tonneau pour prendre du vin dedans. Alors la Mishnah me dit, tu sais quoi, je te permets de faire une chose. C'est Mata Al-Tzida Veinofelet. Tu penches le tonneau, et tu laisses la pierre tomber. On va prendre exactement une condition essentielle, et je le dis tout de suite. C'est le partenariat qui va nous le dire plus loin pour le deuxième cas. Une condition fondamentale, c'est qu'on n'a pas posé la pierre avec intention sur le tonneau, pour lui fixer une place. Par contre, si j'avais une pierre, que je voulais la garder précieusement pour que les enfants ne la touchent pas, parce que c'est une pierre qui correspond exactement pour... j'en ai besoin, peu importe. Donc j'ai pris cette pierre, je l'ai posée sur le tonneau, avec intention de lui fixer une place. Donc là, je l'ai posée avec intention, je ne pourrais plus déplacer le tonneau pendant Shabbat. Parce que là, j'ai rendu le tonneau bassis. Il y a une grande halakha dans bassis, dans le support. Que on devient un support de quelque chose d'interdit que si on le pose avec intention de laisser à cette place-là. Mais si c'est par erreur, alors on a le droit de placer. Quand on va voir le deuxième cas, je referai le point, seulement je voulais préciser la condition tout de suite. Maintenant, la Mishnah continue en me disant, donc, tu as posé une pierre sans intention de le mettre sur ce tonneau spécialement, elle te dérangeait pour balayer, tu l'as posé comme ça, mais tu n'avais pas une intention de lui fixer une place. Donc là, tu as le droit de la faire tomber du tonneau. Ok? Maintenant, Haïta ben Achaviot, il y avait ce tonneau qui est au milieu des autres tonneaux. Or, si tu vas te mettre à faire pencher le tonneau pour que la pierre tombe, peut-être que ça va tomber sur un autre tonneau et ça va casser l'autre tonneau. Donc, tu n'as pas envie de le faire. Alors, la Mishnah me dit, bien, Magbiha, tu la lèves, tu le lèves le tonneau, la Chavit, ou Mata Al-Tzida Vinofelet, tu la transportes là où il y a de la place de libre, et tu la penches et tu la fais tomber. Ouais, je traduis encore une fois littéralement Haïta ben Achaviot, elle était au milieu des autres tonneaux. Magbia, il la lève, le tonneau, c'est féminin en hébreu. Ou Mata Al-Tzida, et donc, entre parenthèses, il l'amène à un endroit plus dégagé. Ou Mata Al-Tzida, il la penche sur le côté, Vinofelet et la pierre tombe. Ok. Deuxième cas de figure maintenant, et après on refera le point encore. Ma'ot Shalakar, même principe avec cette fois-ci, de l'argent qui est posé sur un coussin. Noer et Akar, Vinoflot. Il pourra secouer le coussin. Et les pièces tombent. Et là, le Barthénois nous dit cette fois-ci, attention, de la Meran, et là, Kshishachachamot, à la Karmer, on ne parle que du cas où il a oublié les pièces sur ce coussin. Par contre, s'il les a fixées sur un endroit précis, pour X ou Y raison, il a voulu les mettre spécialement sur le coussin pour faire une surprise à quelqu'un quand il va venir. Il a voulu faire une surprise à son fils en lui posant un petit billet sur son coussin qui devait aller se reposer le vendredi après-midi, puis le fils n'est pas venu se reposer. Et donc du coup, il a posé avec intention sur le coussin spécifiquement. Alors là, c'est fini. Il a transformé le coussin en bassis, en support pour l'argent. Il ne peut plus déplacer le coussin. D'accord? C'est dit ici, c'est la même condition, elle est rapportée là-haut. Regardez, si vous avez le Tosafot Dov, quand il parle du chavit, du tonneau, il nous dit que la condition rapportée plus loin, elle est aussi valable ici. Ça, c'était donc le premier point. Bassis, c'est que si je le fais avec intention. Si je le fais avec intention, je suis bloqué. Si je le fais sans intention, alors j'ai le droit de secouer pour ne pas tomber et utiliser. Maintenant, autre précision de rapporter dans le Barthénois, cette fois-ci une permission, qui va me dire, tu sais, ce que je t'ai dit de secouer le tonneau, c'est que parce que ça ne te dérange pas que la pierre soit par terre.
ou parce que ça ne te dérange pas que les pièces vont tomber par terre ou sur ton lit, parce que tu veux juste le coussin pour aller dormir ailleurs. Mais si toutefois, tu as besoin de la place, que l'endroit soit dégagé, donc il n'est pas question qu'il y ait ni le tonneau, ni la pierre par terre, ni le coussin, ni les pièces posées sur le coussin. Alors là, dans ce cas-là, on te permet de tout prendre et d'aller le déplacer ailleurs. D'accord ? Voilà pour l'essentiel de la Mishnah, des deux cas de figure. Maintenant, on continue avec un nouveau, avec autre chose. On continue avec le même coussin, avec à présent hein, d'autres halakhot en rapport avec le coussin. Aïta alav la shléchette. Il y avait quelque chose de répugnant dessus. Le Barthénois nous dit, ça peut être un roc, comment dire, un crachat, ou ça peut être rei au tsoa, des excréments, une crotte de pigeon, d'accord, qui est posé sur le coussin. Alors là, donc ça dérange pour dormir, mais pas au... Donc premièrement, on est confronté maintenant à un problème de laver à Shabbat. On n'aura pas le droit de mettre de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais quand tu pourras l'essuyer avec quelque chose de sec. Là, on a le droit de ramasser quelque chose de sec. Il faut savoir à Shabbat, quand on salit la chemise, on a le droit de prendre un chiffon de sec et on ramasse. D'accord? On ramasse. Et on... Voilà. Ça, c'est permis. Pas le droit interdit, formel, de mettre de l'eau. Mais de ramasser avec un chiffon sec, on a le droit. Il y a quelques petits enjouissements parfois, si toutefois on va se mettre à frotter pour faire enlever toutes les dernières petites particules, on peut être confronté à certains interdits, il faut le faire avec chinouille en rentrant les mains par dedans, ça on peut dans la racha. Mais pour le moment, en tout cas, la Mishnah s'intéresse juste à me dire, pour le moment, t'as le droit d'en mettre sec, mais t'as pas le droit de mettre de l'eau. Par contre, Haïta Shel Or, si toutefois le coussin il était en cuir, je sais pas qui c'est qui dort avec du coussin de cuir, ça va faire transpirer, mais en fait non, c'est des coussins de fauteuil, c'est fréquent. Alors là, cette fois-ci, regardez, Nantina Alemaïma, tu dis que t'as le droit de mettre de l'eau dessus jusqu'à ce que ça s'en va. Par contre, il n'y a pas le droit de frotter. Il faut savoir qu'on transgresse un interdit de Mechabès, de laver même sur du cuir. Et c'est important de savoir ça. Ça peut être fréquent si toutefois on a marché Shabbat dans de la gadoue, on a les chaussures bien sales, en cuir, pas de tissu, parce que si c'est en tissu, alors là même de l'eau, on ne pourra pas mettre. Peut-être que je vais faire un petit peu de route. On commence avec des chaussures qui sont 100% en cuir, ce qui est relativement rare en fait, parce qu'on a toujours des fils dedans. Si c'est des fils synthétiques, peut-être que ça peut résoudre le problème. Donc maintenant, on a le droit de faire couler de l'eau sur du cuir. On n'a pas le droit de frotter le cuir, parce qu'on transgresse un interdit de Mechabès. On ne transgresse pas un interdit de Mechabès sur du plastique. Parce que ça se fait pas, la saleté ne s'imprègne pas sur le plastique à la superficielle. Tu as le droit de mettre de l'eau, tu as même le droit de frotter le plastique. Par contre, sur du cuir, tu as le droit de mettre de l'eau. C'est pas du kibous, par contre, tu n'as pas le droit de frotter, parce que là, cette fois-ci, comme ça, ça ressort de la Gemara et de la Lacha, qui a sur la petite pellicule externe, ça s'imprègne malgré tout, et si tu frottes, tu transgresses l'interdit de laver. Sur du tissu, strictement interdit de mettre de l'eau. Ok ? Maintenant, précision super importante, j'ai déjà vu des erreurs dans des livres à cause de ça, qu'ils vont vous dire, oui, si la chaussure elle est en plastique, vous avez le droit de mettre de l'eau, mais faut faire très attention au fil, et c'est fréquent d'avoir des coutures qui sont bien sales, elles aussi. Si on a une couture sale, ouais, imaginez, je sais pas, toutes sortes de chaussures où par exemple on va mettre des jolies coutures, des décoratives, par exemple, et elle-même, elle s'est salie aussi avec la terre, tu vas mettre de l'eau dessus pour frotter aussi la couture, tu t'en as interdit cette fois-ci. Si toutefois c'est du fil naturel de coton, je sais pas de quoi, ben, tu peux t'en faire interdit, mais la Torah. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout cela.